Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre. On est même enthousiaste car il y a encore énormément de suspense. Alors bien sûr, il vaut mieux avoir gagné à l'aller à l'extérieur pour pouvoir défendre son avantage devant son public. Mais il ne faudra pas se reposer sur ses lauriers car il n'y a qu'un petit but d'écart au coup d'envoi. Oui, ils sont favoris, mais oui, il reste du suspense dans cette rencontre. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Il faudra mettre les mêmes ingrédients qu'au match aller pour décrocher son billet pour la finale d'Arène. Exact, oui. Le truc, c'est qu'ils ne sont pas obligés de gagner aujourd'hui. Et c'est quand même un sacré luxe. Après, ce serait une grave erreur de s'y croire déjà. Et j'imagine que l'entraîneur, d'ailleurs, leur a rabâché qu'il fallait rester concentré et faire le boulot. Mais bon, ce sont des professionnels, ils savent ce qu'ils ont à faire, normalement. On va voir ce que nous réserve ce match. Tété, c'est joué long, attention. Il y a peut-être un coup à jouer. Ça sent la frappe. Le jeu repart vers la droite. Allez, ça peut faire mal. Et ils vont effectuer cette touche. Et ce ballon vers... Yeah ! Le timing était bon, le placement était bon, tout était bon, sauf le dernier geste. Il y avait du monde dans la surface, là, c'était une belle occasion. Ça joue long, vers l'avant. Lorenzo Insigne. Sinclair. Avec Simeone. Énorme occasion! Oh, quel bel arrêt! Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Zielinski. Hamzik. Oh, Lorenzo Insigne. Il relance côté droit. Il essaye de faire la différence côté gauche. Pas facile de conserver le ballon. Oh, le bon ballon! La passe dans la profondeur. Passe interceptée. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Oh, voici Mertens. Faute, oui, faute. Et coup franc à venir. Sinclair. Avec Simeone. Il joue dans l'espace. Il glisse le ballon en profondeur. C'est bien donné. Et il prend sa chance. Oh, le but! Le but, il est magnifique! Et ce but pourrait tout changer. Et il faut dire que dans cette position tout seul, il ne manque pas souvent sa cible. Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprennent, mais à la perfection. Voilà le match définitivement lancé. Lorenzo Insigne. Il tente de la jouer dans l'espace. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Il faut que ça va partir vite. Pour trouver la faille dans la défense.
Ça pour... Oh, la frappe! Oh, dommage, c'était une bonne passe. La défense a encore été prise sur cette passe. Il faut qu'il se réveille. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Oh, voici Mertens. Fawzi Ghoulam. Calejon! Oh, voici Mertens. La passe dans la profondeur. C'est bien fait. C'est centré dans l'axe. Oh, Calejon. L'ouverture lumineuse. Il joue dans l'espace. Il glisse le ballon en profondeur. Ça passe dans l'axe. Il est tout seul. Oh, la frappe! Le danger est repoussé. Sensi qui est récompensé de son pressing. Locatelli. Tété. Mertens. Il tente de la jouer dans l'espace. Non, il était hors jeu sur cette passe. Oui, il y a hors jeu. Quel dommage. Quel dommage. Il y avait un superbe coup à jouer là. Tété. Qui a un peu d'espace pour trouver la faille dans la défense. Bonne lecture de la trajectoire. Sarr. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ils mènent donc 1-0. C'est joué long, attention. Il tire et il marque. Il compte maintenant une avance de 2 buts. La frappe lointaine et quelle précision! On parle souvent de la trajectoire imprévisible des ballons modernes, mais là, on savait exactement où ça allait finir, dans le but. 2 buts déjà dans ce match. Il compte désormais 3 buts d'avance. Kirikes. Fawzi Ghoulam. Calejon. Bien servi. Il joue dans l'espace. Il est à distance de tir. Le Napoli peut enfin respirer après ce coup de chaud. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Ça joue à gauche. Il glisse le ballon en profondeur. Attention au centre. Oh, la main ferme. Oh, le contre, l'arme fatale. Sensi. Voici Ndjé. Le ballon dans la profondeur. Simeone reçoit le ballon. Ça peut être dangereux. Et ils alourdissent la marque. Oh, ils ont trouvé le bon rythme là. Quelle efficacité. Il était tellement bien placé, forcément, ça va au fond. La passe était millimétrée, elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. Et ils essaient de repartir de derrière. Ils décident d'allonger le jeu. Hamzik. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Sensi. 2 buts en moins de 10 minutes, c'est quand même impressionnant. Va-t-il en profiter? Oh, l'inspiration! Et ça se joue à rien! Écoutez, il a raison de tenter sa chance. Les défenseurs ne montent pas au pressing, alors il frappe. C'est plutôt bien joué. Et c'est la fin de la première période de cette demi-finale. Bon, on va rester prudent et rappeler qu'il y aura une seconde période à disputer. Mais 3-0, ça laisse une marche plutôt confortable quand même. Eh bien, écoutez, il faut être honnête. On ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commente. Mais là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. Le score, 3-0 pour le moment.
c'est le coup d'envoi. Encore 45 minutes. Fawzi Ghoulam. Locatelli. Sensi. Qui... Quelle frappe! À côté. On a vu avec quelle vitesse ils sont capables de remonter le terrain. Ils excellent dans l'art de contre. Très beau mouvement. Mertens. Encore une bonne intervention. Avec Simeone. Simeone. La passe dans la profondeur. Attention, la frappe! Aucun problème pour le gardien. Ah, quel dommage. Il était pourtant en position idéale. Encore une passe mal assurée. Il faut être plus précis. Calderon. Zielinski. Voilà une bonne occasion de contre. Pour trouver la faille dans la défense. C'est joué long. Simeone. Quelle intervention! La contre-attaque était pourtant parfaitement menée. Ils auraient mérité mieux, c'est dommage. Ce sera le premier corner du match. Danger repoussé pour le moment. Hors-jeu. Très jolie passe en une touche, mais le drapeau s'est levé. Martial. Ils ne vont pas chercher. Une petite faute là. Et l'arbitre met la main à la poche. Logique. Il glisse le ballon en profondeur. Faut frapper là! Et il rate le cadre. Oh là 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 là, je ne trouve pas les mots. Pathétique! Il relance côté droit. Hamzik. Et c'est intéressant ces mouvements des attaquants. Oui, j'ai l'impression qu'il joue dans un système avec un faux numéro 9. C'est assez typique de ce genre de tactique. Oui, il peut frapper là! Il marque! Et il est presque chambreur dans sa finition. Il a bien gardé son sang-froid et pourtant le gardien ne lui a pas rendu la tâche facile. Mertens, qui inscrit là son troisième but dans la compétition. Ils ont réduit le score, mais ils ont encore une montagne à franchir. Sinclair, qui est marqué de très très près. Vu qu'il a déjà marqué, il n'est pas impossible qu'il veuille remettre ça. La tentative! Oui, c'était puissant! Oh, le gardien est là, la classe! Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Le Napoli qui peut avancer. Allez. Lorenzo Insigne. Le jeu repart vers la droite. Il joue dans l'espace. Le bon jaillissement. Non, ça manque d'application. On attendait un arrêt de jeu. Le changement va pouvoir avoir lieu. Il peut centrer. La frappe. Et c'est dedans. Plus qu'un but de retard, il faut continuer. Quelle envie, il s'est jeté sur ce ballon. C'est vrai qu'il est plus rapide que tout le monde, mais la défense est restée trop passive. C'est reparti et il n'y a plus que deux buts d'écart désormais. Il continue, la frappe. Et l'arrêt, magnifique! Oui, quelle intervention! Honnêtement, moi je la voyais dedans. Et c'est directement récupéré. Ça peut être extrêmement dangereux. Martial!
Sensi, il va s'en charger, il est fort pour frapper les corners. Oh, la tête! Ça passe à côté d'un rien! Simeone! Quelle occasion encore! Il domine carrément en ce moment et s'est passé tout près, deux, trois fois. À force de tenter, ça va finir par entrer. Pepe. Avec Sensi. C'est joué long, c'est dangereux. C'est bien, la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Oh, Calderón. Il tente de la jouer dans l'espace. Calderón. Et un but. Splendide. Quelle frappe sensationnelle. L'égalisation pour Naples. Oh, le lob. Quel geste. Quelle inspiration. Et on a l'impression que c'est facile pour lui. Quel coup d'œil. Quel toucher. Et le doublé. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus, alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que le voir courir jusqu'à épuisement. Attention, plus qu'un but d'écart entre les deux équipes. C'est bien joué, ils sont de nouveau dans le coup. Il y aura d'autres occasions aussi, à condition d'être patient. C'est un manque de finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Oh, il a pris des risques. Ce sera un coup franc. Pour trouver la faille dans la défense. Il reçoit le ballon. Le ballon dans la surface. Pepe. Qui a un peu d'espace. Il repique dans l'axe. C'est joué long. Attention. Simeone. Oh, la main ferme. C'était une énorme occasion, mais c'est manqué. Ah, il avait laissé l'avantage, mais il lui met un carton quand même pour la faute précédente. Oh, le coup de tête. Oh, l'opportuniste! Et quelle efficacité! Il se retrouve au bon endroit, au bon moment. C'est vrai qu'il y a un petit peu de réussite, mais c'est parfaitement joué de sa part. Locatelli, non, c'est le deuxième but dans cette compétition. Ils ont certainement assuré la victoire avec ce but. Il allonge vers l'avant. Pepe. Martial. Sensi. Il joue dans l'espace. Sinclair, il a de l'espace. Le centre au second poteau. C'est dégagé, loin devant. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Mais la défense se donne de l'air. En retrait pour repartir proprement. Il glisse le ballon en profondeur. Ce contre peut très bien aller au bout. Il y a danger. L'arbitre siffle une faute. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Il va falloir qu'il se calme un peu. Il a déjà été averti. Il peut frapper. La bonne passe. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Quelle ambiance dans ce stade, que c'est beau. Ils ne sont maintenant qu'à 90 minutes du bonheur absolu. Alors dites-moi, dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce match ?
Gagner une demi-finale, c'est bien. Mais est-ce qu'ils vont arriver à remporter le trophée? Vu ce qu'ils ont montré aujourd'hui, je dirais qu'ils ont leur chance. Avec grand plaisir, Grégoire. Broken, bruised and burned, but the lessons never learned. Twisted, tied and turned, but I like the way it hurts.